Manu, c'est quoi ces blocs bizarres que t'as mis dans ta salle des coffres? C'est juste du verre, les enfants, faut pas vous inquiéter. Bonjour à toutes et à tous, ici Pino, on se retrouve pour un nouvel épisode de sur Pinocchio. Content de vous retrouver, le 16e épisode. Aujourd'hui, on se retrouve. Aujourd'hui, un petit épisode encore une fois léger, assez light, parce que je dois préparer la Japan Expo, donc je dois m'avancer, j'ai pas beaucoup de temps. Sinon, j'ai avancé un petit peu la ligne de chemin de fer. J'ai commencé, du moins. La lignée de rails, pas les blocs autour ni rien, j'ai juste fait un petit peu de rails. Au bout, j'ai continué aussi, j'ai trouvé un spawner à squelette, on va pouvoir se faire une usine à fil, à, pas à fil, à os et à flèches, ça va être cool. Et vous l'entendez ici, donc on est dans ma salle des coffres. Déjà, je vais vous montrer un petit peu le fruit de mes expéditions. Voilà, tout ça, c'est ce que j'ai récupéré en minant là-bas. Et donc. Ici, vous l'entendez peut-être, il y a une porte qui s'ouvre et qui se ferme en continu. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un ascenseur à item que vous voyez ici. Donc, qui monte en haut, et donc c'est la colonne de verre que vous voyez. Donc, tout ça, c'est pas compliqué. Je vais pas vous l'expliquer ici, simplement parce qu'on va le refaire ailleurs, là-bas d'ailleurs, sur l'usine à fer même. Et donc, voilà. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs cela en action, s'il te plaît. Ta pute, merci. Hop, on monte. Et on va jeter par exemple, je ne sais pas moi, une poutre de creeper, 4 os. Hop, on revient d'une petite expédition. Alors toute petite, hein, une petite expédition. On a tué quelques mobinous. Et donc, on a tué des squelettes et des creepers. On jette ça là-dedans. Hop, magie, magie, vous y donc du génie. Ça se fait aspirer. On ne sait pas quel. Magie satanique et hop, attention, les items remontent. Si c'est pas beau. Donc voilà, un petit ascenseur item. J'ai que deux os dans le tas, tiens. Comment ça se fait? Je vais vérifier ça. Normalement, ça marche à 100%. Ouais, ils étaient restés. Alors, des fois, ils buguent un peu, c'est pas bien grave, hein. Donc ça exploite un bug qui sera peut-être fixé dans les prochaines versions, mais c'est un ascenseur que j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais vous le montrer. On va se retrouver à l'usine à faire avec tout ce qu'il faut pour le début de la construction. Je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Même qu'ici, on peut reboucher. Voilà. Oui! Et il fait beau. Allez. Oui, t'es moche. Donc on se retrouve devant l'usine à fer. Et comme vous le voyez, je sais pas. À mon avis, il a dû spawner pendant une de mes sessions AFK de l'usine à fer. Et donc, comme j'étais un peu trop près, il a dû exploser. Et il y a quatre chauves squelettes qui ont dû popper. Les squelettes ont dû s'entretuer. Donc, il y a un cheval qui est resté tout seul. Alors, petite chose encore une fois sur l'usine. Des fois, elle glitch. Alors, attendez, 2, 4, 6, 8, 18. Des fois, elle glitch et il y a les golems qui spawnent à côté. Il me semble que c'est à cause de ces blocs-là. Il aurait fallu que je mette du verre. C'est pas comme ça sur le modèle d'origine de Matox. Je le répète encore une fois. Mais voilà, bon, c'est pas bien grave, hein. Elle fonctionne quand même assez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le petit ascenseur à item de cette usine à fer. Alors pour commencer, il va falloir creuser. Donc creuser, quand je dis creuser, c'est creuser en l'occurrence un trou de 3 x 3. Allez, à tout de suite. Voilà, fini de creuser un petit peu. Et donc, on est bon. Oui. Moi, je t'entends mourir. Oui, comme un caca. Comme un caca dans la lave, oui. J'ai pas récupéré, il est là. Meurs. Donc voilà, oui, elle fonctionne quand même assez bien. Donc pour cet élévateur à item, on va avoir besoin de glace. Puisque c'est un élévateur en diagonale. Alors c'est assez étrange. Donc le modèle est de Monsieur Rupt. C'est lui qui l'a trouvé. Et donc voilà, donc il est en diagonale, ce qui est assez étonnant, hein.
On n'en a jamais vu et ça exploite un bug, comme je vous l'ai dit, un bug d'Hitbox, qui sera, comme je vous l'ai dit encore une fois, très certainement résolu dans les prochaines versions, mais bon, c'est pas bien grave. Hein, c'est... De toute manière, beaucoup des machines qu'on connaît ont, appartiennent à un bug. Hein, voilà. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin d'un trou de, bah, de 3x3, hein, encore une fois, avec eh bien, des choses assez sympathiques. Voilà. Vous faites donc un coin, comme ceci, une flèche. Et sous cette flèche, vous creusez, donc comme d'habitude, encore une fois en diagonale. Dans ce trou-là, vous allez pouvoir mettre la glace. Hop, voilà. On s'en fout. J'en ai. Voilà, on creuse, j'aime bien avoir de l'espace. N'oubliez pas de fermer sur les côtés, parce qu'il va y avoir de l'eau. Voilà. Ici, donc, on va mettre notre porte à terme. Je vais vous montrer après, d'ailleurs. Il va falloir que j'aille chercher et pas acheter du bois. Mais oui, GG là, nous. Voilà. Parfait. Donc, il me faut du bois pour des petites torches de redstone. Voilà, j'avais commencé à dépecer un arbre. Ça se dit pas pour un arbre, je sais, on s'en fout. Vous êtes chiant, hein. Hop, on fait toutes les torches qu'on peut. Pas d'ellipse aujourd'hui, parce que comme vous le savez, bah voilà, j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps, de toute manière. Donc voilà, vous devez donc avoir une porte en fer, parce que de toute manière, si vous mettez une porte en bois, votre usine à fer, eh bien, ne fonctionne plus. Voilà. J'ai une mouche, c'est infâme. Donc, vous posez votre porte en fer de manière à ce que la bordure, donc le côté avec les petits bitonnes noirs, les gonds, ça s'appelle, soit dans le coin opposé à la flèche, en fait, en glace. Voilà. Donc, et de ce fait, la porte, quand elle est activée, elle s'ouvre comme cela. Voilà, vous voyez, elle fait... gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Il faut qu'elle s'incline de cette manière. Voilà, je vous le montre plusieurs fois pour que vous le voyez. Ensuite, nous allons reboucher cela. Et donc après, là, à terme, ce trou-là sera rebouché. Mais pour le moment, on va poser notre distributeur. Je voulais prendre un dropper, mais c'est pas grave, ça fonctionne tout aussi bien avec un distributeur. Par contre, mettez quand même un ou deux blocs en face, histoire que les items rebondissent bien et tombent bien dans l'eau. L'eau qui sera ici. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, avec les dalles... En plus, je fais n'importe quoi. Hein. C'est assez, assez extraordinaire. Hein. Ne faites pas d'ailleurs l'erreur que j'ai fait. Ce n'est pas des dalles qu'il faut mettre, mais bel et bien des escaliers. Voilà, vous allez très vite comprendre pourquoi. Des escaliers que vous allez poser dans un sens, encore une fois, bien précis, dans ce sens-là. Hop, et pareil de l'autre côté pour que on ait en fait un tout petit coin pour que les items passent. Voilà, vous voyez, hop, tac tac tac, je vous remontre comme cela. Donc des petits escaliers de l'amour. On enlève ça parce que c'est chiant, hein, on peut se le dire. Hop, et donc on va oui, ça j'avais pas pensé, pardon. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais bel et bien ici, parce que sinon, je fais n'importe quoi. Hein, vous l'aurez bien compris. Comparateur. Sinon, on va avoir des problèmes avec les entonnoirs qui seront mal orientés. Encore une fois, faites bien attention. Shift-click pour les poser, parce que des fois, on me le demande. Hop, voilà. Donc, le fer qui va sortir, donc, enfin, qui va arriver du trou du cul des golems, va transiter par ces entonnoirs qui vont arriver dans ce distributeur. Il y a déjà 5 fers, c'est normal, on a entendu un golem mûrir tout à l'heure. Donc dans ce distributeur, il va y avoir donc des... Dans ce compa- dans ce, encore un.
dans ce distributeur, c'est bien, c'est un distributeur et pas un dropper, eh bien, on va devoir faire une petite cloque pour que, eh bien, quand on aura... What? Quand on aura des items dedans, eh bien, ils partent. Pardonnez-moi, je fais n'importe quoi. C'est pas ce système-là qui a besoin de ça. Excusez-moi. Alors, par contre, oui, je vais vous faire ça de mon côté et je vous le montre après parce que j'ai pas assez de place encore une fois. C'est un peu compliqué. À tout de suite. Oh yeah. Alors, bon, c'est foireux parce que j'ai mis un dispenser au lieu d'un dropper. Et pas donc parce que par la même occasion je suis un boulet. Mais voilà, ça doit marcher comme ça. Donc le loot arrive donc dans ce dispense, dans ce dropper plutôt, on va dire un dropper parce que je vais aller le changer. Et donc avec un système de clock etc qui détecte, il envoie le courant derrière qui refait tirer le dropper, enfin qui fait tirer le dropper, et donc qui avec l'eau emmène les loot dans le coin, et comme ce sont des escaliers, hop, ils vont, et comme il y a de la glace en dessous, le loot va directement glisser dans le coin de la porte. On se retrouve juste après pour la suite de la construction, parce que il me manque des choses. Ouais, c'est bon, j'étais en train de me dire, est-ce que je peux reprendre? Mais oui, complètement. Comme vous le voyez, encore un golem qui est mort. Et donc, voilà, le dernier système, ta gueule. Le dernier système, c'est ceci. Donc, c'est un ascenseur très très simple donc, qui exploite un glitch. Je vous le répète encore une fois, qu'on me le dise pas dans les commentaires dans 4 mois. Ah, il était fixe, ça marche plus, tant de la merde, machin. Ce n'est pas à moi, c'est de monsieur Rupt, encore une fois, je le dis, pour qu'au cas où, si vous avez avancé, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un ascenseur très simple que je me permettrai de qualifier de très utile et donc voilà, c'est un ascenseur très très sympathique. Donc je vais vous les réexpliquer un petit coup. Donc les loot arrivent donc par un chemin de hopper très très simplement dans un dropper, je l'ai bien changé, avec une cloque qui détecte quand il y a des items dans le dropper, on fait tirer ce même dropper. Et donc, les items vont être portés, que ce soit par la glace ou par l'eau, dans le coin. N'oubliez pas que c'est ici des escaliers. Le coin, donc, où il y a une porte. Et quand la porte est enclenchée, en fait, à cause d'un bug de hitbox, la hitbox, c'est, comme vous le savez, on la voit avec F3H. Apparemment, ça ne veut pas... Alors, c'est F3B, excusez-moi. Quand on drop un item, voilà. Ceci, c'est la hitbox. Le carré blanc qu'on voit autour de la torche, c'est la hitbox. Et donc, comme il y a des bugs de collision entre la hitbox de la porte et les hitbox des items, eh bien, cet item, comme vous le voyez... Alors là, il ne monte pas parce qu'il n'y a pas de mur autour ni rien. Mais il va monter jusqu'à l'infini, en fait. Et jusqu'à rencontrer même un plafond plutôt. Et donc pour remédier, enfin pas remédier, mais pour empêcher cela, on va lui mettre. Donc la porte, il faut la laisser donc allumée. On peut faire un système comme moi j'ai fait dans ma salle des coffres. Je vous le montrerai. Le système, c'est en fait tout simplement la RS Norlight qui détecte quand il y a quelqu'un ou pas dans la salle. Et quand il y a quelqu'un dans la salle, donc en l'occurrence quand il y a la lumière aussi qui est allumée à l'intérieur, et bien la porte se met en route et donc elle bat comme ça de droite à gauche. Alors ici je la laisserai allumée simplement parce que j'ai pour projet de faire d'autres usines là-bas de l'autre côté, et donc l'usine à faire pourrait produire en continu hein, si je reste là. Donc voilà, ça peut produire des lags à terme. S'il y a trop de redstone sur votre monde, évitez de mettre comme ça une porte qui tourne tout le temps comme ça en continu. Moi je vais le faire parce que je peux me le permettre parce que j'ai une machine assez costaud et parce que j'ai pas trop de redstone. Mais par exemple sur des mondes comme ceux d'Aipier, là on peut pas mettre des systèmes comme ça qui font en fait tout simplement trop de
de trop travailler le jeu. Voilà. On va lui mettre donc un coffrage à cet ascenseur. Donc juste au-dessus de la porte, vous pouvez poser des blocs et vous allez très vite voir que j'ai oublié d'allumer. Voilà. La porte. Donc en plus, elle est en... L'usine est assez en sous-sol. Hein, donc quand on sera en haut, on n'entendra normalement pas la porte. Ce qui est assez pratique. Donc je vais... D'ailleurs... vous savez quoi, on va attendre qu'un golem meure, tenez. Je voulais mettre un item pour dans le circuit pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien. Donc vous remplissez totalement de n'importe quel bloc. D'ailleurs, moi je mets du verre pour que si jamais je tombe dessus en minant ou quoi qu'est-ce, n'importe quoi, je puisse eh bien, tout simplement différencier mon système. On voit la porte qui brinque-balle en bas. Je vais poser... Non, d'ailleurs, je vais prendre plutôt les dalles. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait autour aussi, vite fait, comme ça? J'ai fait une déco. Au début, je voulais faire un... Et ça rebug, il y a encore un golem qui a spawn à côté. Je sais pas pourquoi, c'est... J'ai pas trouvé de réponse à ça. Si j'en trouve une, je vous la donnerai, mais... je sais vraiment pas pourquoi. Au début, je voulais faire un réacteur nucléaire. Vu que c'est une usine à faire, je me suis dit pourquoi pas. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas build et que c'était trop gros, c'était trop moche. Donc j'ai juste fait le contour d'un réacteur nucléaire en ruine. Comme vous voyez, avec les petits blocs un peu cassés. Là, il n'y a même plus de mur. Là, c'est prêt à tomber. Enfin, voilà, avec là encore un tout petit mur debout. Là, carrément le mur qui s'est écroulé à côté. Enfin, voilà, c'est une petite déco sympathique. Je vais reprendre de l'eau parce que j'ai soif. C'est vrai, en plus, je meurs de soif. Parce qu'il fait 26 degrés chez moi. Magnifique freeze, je kiffe. Et donc, ici... d'ailleurs, c'est en haut ce qu'il va falloir... Voilà, vous continuez, en fait, votre... tunnel, on va dire, votre tuyau. Voilà, jusqu'à une hauteur... raisonnable et votre hauteur favorite. Et donc à cet endroit là vous allez pouvoir mettre des petits coffres. Pardonnez-moi, je viens de faire une grosse boulette. Enfin une boulette tout court, pas une grosse. Il y a pire. Hop. Avec donc derrière ces coffres des petits entonnoirs. Tac tac. Et qui vont dans ces entonnoirs, d'autres entonnoirs. J'espère que vous me suivez. Je ne sais pas sauter. Voilà. Le reste, tout simplement, des entonnoirs. Enfin, le reste. Vous terminez le tuyau pour que, tout simplement, quand en fait les items vont arriver en haut, on va attendre qu'un golem meure, hein, mais voilà, ça va pas tarder. Eh bien, il va y avoir les items qui vont monter. Je sais pas si je pense que je vais changer à cet endroit-là, c'est trop moche. Les items vont monter et vont se faire aspirer par ces hoppers qui vont être emmenés dans ces coffres. Déjà là, il y a un verre. Donc on va attendre qu'un golem meure. Et puis je vais vous montrer. Je vais changer là par contre, c'est trop moche. Je vais certainement mettre des dalles. Ah, vous voyez, il y a un petit golem qui est mort. Et donc, vous les avez vus, les petits lingots de fer et la poppy qui vient de passer dans le hopper. Et voici l'ascenseur terminé, messieurs, dames. Content. Content que ça fonctionne. Donc, voilà, parce que ça exploite un bug, encore une fois. Je vous le répète, ça doit faire la dixième fois. Mais voilà, content que ça marche. Surtout quand ça repose sur des bugs, c'est rarement fiable. Mais voilà. Cet ascenseur, donc, fonctionne en 1.9 et en 1.10. En 1.9.4 plus précisément. Je pense que ça fonctionne avant même. En 1.9.2, si ça marche aussi en 1.9.2. Hop, encore un golem qui meurt. Et hop, les lingots qui montent tranquillement. Tout tranquillement dans le plus grand des calmes. Je dis oui, moi, monsieur. Et donc voilà, les coffres se rempliront comme ça. Donc on va passer à notre deuxième construction d'aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va dans cette suite de vidéos, on va se faire... C'était normal, je crois que c'était un Enderman qui avait piqué un bloc, mais non. On va se faire une petite usine à cactus. Et justement, je vous disais tout à l'heure que j'avais pour projet de faire plusieurs usines dans cet endroit.
à cet endroit-là, enfin dans cette zone, eh bien, là-bas, on a déjà l'usine à rails. Mais là-bas, hop, les torches ont été un petit peu prolongées. On va se faire une petite ici, là, une petite usine à cactus. Très simple, pas compliqué. On va pas avoir besoin de grand-chose, même d'ailleurs. Je construis, enfin, je creuse tout ça, et après on se retrouve parce que il y a beaucoup de creusage, enfin, de terraforming. Je préfère ce mot. Et voilà, il y a beaucoup de terraforming. Il y a plus de la théorie qu'autre chose. Il y a vraiment pas de redstone en plus. Donc voilà, ça va être très simple à réaliser. Je vous retrouve juste après. Bon, messieurs, dames, je suis désolé. Je suis tellement à la ramasse. Je viens de construire l'usine sans vous parler, sans expliquer ni rien. En fait, je suis fatigué, donc il fait hyper chaud, mais c'est pas grave, je l'ai détruite et on va rembobiner et puis je vais la construire enfin avec vous. Donc pour commencer, il vous faut donc un trou d'une profondeur que vous voulez. Moi, je l'ai bien enterré. Et vous devez faire ce pattern au sol pour que, en fait, c'est pas compliqué. Vous voyez, l'eau, elle arrive jusqu'ici. Normalement, elle va jusque ce bloc. Je vais vous montrer en action. Voilà. L'eau va jusqu'à ces blocs-là. Normalement, elle s'étend de 7 blocs, l'eau. Et si, en fait, il vous suffit de casser les blocs aux extrémités, et donc vous allez avoir une cascade, enfin, des cascades de courants d'eau qui descendent jusqu'au coin inférieur. Ensuite, une fois que vous avez ce pattern-là, vous devez vous munir de trappes en bois. Moi, j'utilise des trappes parce que c'est discret et ça coûte pas cher. Vous allez... je vais enlever l'eau parce que c'est juste infâme. Voilà, merci. Vous allez les placer, en fait, sur le deuxième bloc en partant de la surface. Donc, un deuxième. Et vous les disposez partout, sauf sur les côtés. Voilà. Donc ici, c'était juste pour m'appuyer. Et vous en mettez tout simplement une sur deux. Et vous devez avoir ce pattern-là. Une fois que vous cassez toutes les dalles superflues. En fait, il ne doit pas y avoir de dalles collées aux autres. Voilà, et vous en mettez en fait tout simplement une sur deux, c'est pas compliqué. Et vous devez avoir, je vais vous montrer d'en haut, ce pattern là. Vous voyez, enfin voilà, vous en mettez une sur deux, c'est tout simple. Hein, voilà. Pas besoin d'avoir bac plus 5 pour comprendre ça. Vous les recouvrez de sable. Fail! Vous les recouvrez. Putain, mais je suis un boulet. Je vous ai dit, je suis fatigué et j'en peux plus. Vous les recouvrez de sable. Voilà, clic droit, shift-click pour les placer, pour pas ouvrir les trappes en même temps. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir y poser les cactus. Voilà. Donc moi j'ai fait 9 cactus. On peut en faire des immenses, hein, des fermes comme ça. Ça pique, je l'ai fait pour vous. Mais voilà, je n'ai pas besoin de masque cactus non plus. Hein. Je l'en utiliserai pour la déco et comme colorant. C'est tout. De toute manière, je crois que les cactus, on ne peut pas s'en servir pour autre chose. Hein. Faire des poubelles aussi. Puisque, je sais pas si vous le savez, mais quand vous jetez un item dessus... D'accord, j'ai jeté carrément un stack, on s'en fout. Il disparaît, mais... c'est pas extraordinaire. Hein, donc bon, voilà, c'est pas... hyper utile les cactus, donc voilà, ça fera une petite ferme comme ça, rapide. Et enfin, vous mettez, pour terminer notre usine, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, elle est très simple, sur ces cactus vous mettez full barrière, tout simplement vous les recouvrez de barrière. Voilà, c'est théoriquement c'est plus simple. Voilà, et ensuite vous cassez toutes les barrières qui sont sur les cactus, sinon ça empêche leur pousse, vous êtes pas bête. Vous l'avez bien compris. Et toutes les barrières qui relient les autres. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci
et celle-ci. Vous devez avoir ce pattern aussi. Une fois que vous avez ça, vous faites une MLG. Vous laissez l'eau en bas. Et il vous suffit d'attendre. Pourquoi d'attendre? Simplement parce que quand les cactus vont pousser, je vais vous le montrer. Quand un cactus va pousser, il va faire plop. Attendez, plop. Fuck. Je crois que je me suis planté. Attendez, je vais vérifier. Donc voilà, c'est pas compliqué, ça fonctionne, c'est juste que on n'arrive pas à les poser. C'est quelque chose que je ne savais pas. Normalement, un cactus, on peut le faire grandir à l'infini, même d'ailleurs comme les cannes à sucre. Les cactus ne poussent qu'à 3 de haut naturellement. Mais voilà, il suffit... enfin, ils poussent bel et bien. Hein, c'était juste un... Je ne savais pas qu'on pouvait pas les poser. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors, vous me direz-vous pourquoi là, nous, ça pousse aussi vite? Simplement parce que j'ai changé la game rule. Il y a une game rule qui s'appelle Random Tick Speed. Pardon. Il est de base à 3. Et comme vous voyez, ça a poussé très lentement, comme dans un monde vanilla. Mais sur mon monde, je l'ai mis à 500. C'est pour ça que c'est sur mon monde en créa, c'est très rapide. Vous voyez, voilà, ça pousse. Alors, c'est une usine qui a des pertes. Comme vous voyez, voilà, des fois, les bouts de cactus retombent sur eux-mêmes et donc sont détruits. Mais comme vous le voyez, ça fait une minute que je suis sur le monde en créa. Et vous voyez, ça produit quand même pas mal. Donc voilà, moi, j'ai pas besoin, comme je vous l'ai dit, de millions de cactus. On va retourner sur mon monde. Donc voilà, c'était juste une petite vérification que j'avais à faire parce que je m'en rappelais plus. Mais ça fonctionne bel et bien. Vive le freeze. Vive les freezes. Qu'est-ce qui... Putain, c'est la génération qui bug autant. Eh ben. Bon. Donc voilà, on aura juste à se poser en bas. Donc ici. Et donc au fur et à mesure, donc on pourra AFK là. De cette manière... L'usine à faire pourra produire, parce que je pense qu'on est assez près, hein, tout clairement. Donc voilà. Et donc voilà, ça produira des cactus. Je pourrais même mettre un entonnoir avec un coffre, si je veux. Mais bon voilà, pour le peu que j'en ai besoin, comme je vous l'ai dit, c'est pas compliqué. Et donc je vous l'ai pas expliqué, enfin je vous l'ai pas dit de vive voix, mais quand le cactus pousse, il va pousser. Et j'ai des... Pourquoi j'ai des lacs comme ça? C'est infâme. Il va pousser et puis... c'est parce que Minecraft est allumé depuis trop longtemps en fait. Il va pousser et comme il y a une barrière à côté, il va se scruncher. Voilà, c'est scrunch. Il va faire scrunch et il va tomber. Donc des fois sur lui-même, il va se détruire. Des fois à côté, il va être emmené en bas. Voilà. C'est une petite usine à cactus rapide, simple à faire. Moi, j'ai fait 9 cactus. On peut en faire à l'infini jusqu'à de toute manière que le chunk soit chargé. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, épisode assez light. Encore une fois, je vous le répète, simplement parce que bien, je dois me préparer pour la Japan et j'ai beaucoup de vidéos à tourner, à prendre de l'avance. Donc voilà, aujourd'hui on aura vu un ascenseur à item assez sympathique que j'aime beaucoup. Oh, j'ai une faille là, moi, tiens. J'avais jamais vu. Et une usine à cactus. Apparemment, il y a encore un petit bout de faille ici. Ouais, voilà. Donc voilà. Et même ici. Deux petits projets bien sympas qu'il fallait faire de toute manière sur le Let's Play. Donc voilà, on va chercher un coup d'œil, mais je pense que depuis que je travaille sur l'usine à cactus, l'usine à fer a produit un petit peu. On va regarder, mais je crois que ça a bien produit. Voilà, 13 petits fers avec 8 poppies. C'est pas dégueu. Voilà. Donc je vous dis merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce dans un pouce rouge. Si vous n'avez pas plu, je vous fais de gros bisous. C'était à nous. À bientôt pour vos prochains épisodes sur Pinocorp et sur d'autres Let's Play sur la chaîne. Encore voilà, excusez-moi pour la longueur. Hein. Encore une fois, je m'excuse pour la longueur de l'épisode. Mais voilà, je suis un petit peu pressé par le temps. La prochaine fois, on fera un projet vachement sympathique. S'il n'y a pas de problème, normalement, on fera un gros projet. Une série même d'épisodes basés sur le même thème, bien sympa. Je vous en dis pas plus, je pense que vous savez de quoi je parle. Je vous fais de gros bisous. Oui, bah t'es moche. Bisous, c'était la nous. À bientôt pour prochains épisodes sur Pinocorp et sur d'autres Let's Play. Bisous, c'était la nous.
Banoupinou.